C'est juste sous question et petit jeune demoiselle ça, Evelyne Sincère, qui révoltait conscience tout le monde. Ça, son bagage qui est inacceptable. Le haut découvrit son pile fatra et Nandelma 24 et le corps sans vie de cette jeune demoiselle de 21 ans et le philo presque 3K nu. Donc c'est Drabzo, c'est tout haïtien qui senti révolté, d'autant que l'on a gardé cette demoiselle là, tout le monde qui gagne petit monde qui gagne petit tout qui l'école capoué catastrophe ça t'a qu'à frapper comment t'as senti indigné dans chair. Et puis surtout c'est un malheureux parce que m'a attendu papal dans le micro et sous journal Caraïbe qui a dit que Grand-Sel c'est petit sachet de l'eau qui a vendu ça, son bagage qui vraiment poignardé nous, on attendait ça, eh bien, c'est comme ça, les SOFA, famille là, son bonne organisation, Bablé Cité, non, qui était dehors hier, yo tal devant le ministère conditions féminines, yo tal devant le ministère de la justice, pour yo crier, et son scandale inacceptable que bagaille ça yo. Pas qu'à continuer dans le pays, ils ont dénoncé, ils ont insécurité programmée, ils ont insécurité d'État qui est la cause que bagaille ça a fait, puisqu'il est plus que évident que c'est gang G9 qui a agi. D'ailleurs, t'as quoi RNDDH pral dit là, et mise en scène que barbecue fait sous prétexte la remettre à la police et bandit qui t'a présumé assassin Evelyne Sincère là, c'est vraiment une mise en scène puisque c'est eux-mêmes encore, c'est toute gang nan RNDDH clair que c'est toute gang nan qui est responsable, d'autant que si je nomme ça, c'est même G9 et pour nous répéter et RNDDH, Marie-Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains, qui est qualifié de théâtre et de farce, ce que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a tenté de présenter comme l'arrestation d'Obed Kiki Joseph, assassin présumé de la jeune lycéenne Evelyne Sincère. Selon Madame du Sénat, Kiki est un soldat du G9 en famille et alliés, et il n'a jamais été question de l'arrêter par le chef de cette structure criminelle, Jimmy Cherizier. Cette mise en scène fait suite à une entente trouvée entre les chefs du G9 pour remettre Obed Joseph à la police lors d'une réunion à laquelle celui-ci avait participé, a déclaré hier jeudi la militante des droits humains au cours d'une interview à RNews. Obed Kiki Joseph, 24 ans, est accusé d'avoir fait enlever, torturer, violer, humilier et assassiner Evelyne Sincère, sa petite amie avec qui il a nié toute relation amoureuse, arguant ne pas la reconnaître. Ses premières déclarations ne disent pas qu'on t'y fie à du tout. À la nom audacieux, monsieur, Jimmy Cherizier a affirmé mercredi en début de soirée avoir capturé Kiki après que des conversations téléphoniques de celui-ci eurent été retracées et qu'il a pu le localiser dans son fief à Delma 6. Barbecue n'a fourni aucune précision. Aucune, vraiment aucune précision alors nous dit que Barbecue n'a fourni aucune précision sur ceux qui auraient retracé les conversations de son soldat, ni sur les moyens technologiques dont il disposerait pour détecter ce que fait éventuellement la police judiciaire pour traquer des présumés
criminel recherché par la police pour implication présumée dans des crimes et massacres perpétrés dans la région métropolitaine. Jimmy Cherizier alias Barbecue se donne pour mission de rechercher d'autres présumés criminels pour la police à ironiser. Ça, son bagage pour mon riz, Madame Dissena. La militante des droits humains a fait savoir que Barbecue n'a nullement été recherché par la police. Au contraire, a-t-elle précisé, le chef du G9 est protégé en permanence par des policiers dans tous ses déplacements. Elle a dénoncé l'inaction des autorités gouvernementales et policières face aux gangs armés qui opèrent dans le pays, notamment au niveau de la région métropolitaine, où ils ne cessent de terroriser la population. Selon Mme Dissena, la mise en scène du mercredi soir est une démonstration de puissance de Jimmy Cherizier qui serait inarrêtable comme tenue de la contenue, de la complicité dont il jouit au niveau des autorités politiques et policières. Elle a rappelé que Jimmy Cherizier et plusieurs autres membres de la Fédération des gangs armés du G9 sont impliqués dans au moins 10 massacres perpétrés dans des quartiers populaires de Port-au-Prince au cours de ces deux dernières années, causant la mort d'au moins 306 personnes, 29 cas de viol collectif et des centaines de déplacés. Ce sont des crimes contre l'humanité imprescriptibles dont les auteurs devront répondre devant la justice tôt ou tard, a précisé Marie-Rosie Auguste Dissena, qui appelle les autorités en place à se ressaisir pour mettre fin aux activités des gangs armés. Comme pour se débarrasser d'un colis encombrant, Obed Kiki Joseph a été remis mercredi soir au sous-commissariat de police de Portail Saint-Joseph par des hommes du G9 qui n'ont pas attendu que la police vienne vers eux pour récupérer le prévenu. Selon la militante des droits humains, cet acte est une humiliation et une insulte à la police et aux autorités gouvernementales qui font preuve qu'elles banalisent la vie humaine. C'est ça que nous capables de sous causer cela, Jimmy Cherizier qui débarquait dans sous-commissariat Portail Léogan lourdement armé avec toute acolyte G9 Lio pour venir remettre citoyen. Et j'en t'ai déjà dit, ça c'est un montage, c'est un comédie et son farce pour me répéter RNDDH, cette affaire de Jimmy Cherizier, bandit chez notoire, capable de mettre bandit à la police, alors que, en fait, c'est même lui au même nom, bagaille là, t'es bien préparé. Alors, pour nous tourner, sous marche, ça, que l'organisation féminine y'a organisé, y'a dit, c'est trois patins, y'a été vraiment, et plusieurs dans la rue Port-au-Prince, c'est trois patins, ça pas qu'à continuer. Parallèlement, gagner des gerbes de fleurs que y ont été déposées. Alors, on a parlé de en série d'artistes, artistes qui étaient, dans la même occasion, organisé une cérémonie hommage pour victimes, non? Ils ont déposé des gerbes de fleurs sur site d'échange côté, ils ont retrouvé Evelyne Sincère. Dimanche matin, et non, Delma 24, qui baille sous zone Nazon, belle cérémonie, pile jeb de fleurs, yogin, bougie, baleine, et que yo déposé en façon pour société, et montrer toute réprobation par rapport à Zaxila, et mandé autorité yo pour yo agir. Alors, c'est le troisième mouvement qui vient dans la rue depuis dimanche dernier. Il y a des militants politiques qui t'ont fait en marche déjà. Les lycéens t'ont fait, puisque sont lycéennes qu'elles t'ont fait. Et puis, troisième, non, c'est les femmes, mais ce n'est pas fini, puisque ils ont annoncé pour demain 8 novembre, non, dimanche 8 novembre et 9 novembre, et c'est plusieurs
plusieurs organisations des jeunes, en particulier des jeunes qui sont dans plusieurs organisations dont mouvement Troisième Voie, qui a bien profond passé là. Vers la fin de l'émission, il y a prévu habillé en noir et blanc, et pour y a réuni dans Carrefour Résistance et dans Carrefour Aéroport, et puis en bas lumière rouge sous la LUA. Côté, il va pral marcher pendant deux jours, ça y est, 8 et 9 novembre, pour y dénoncer la situation. Ça y est, dit, mon paret la caillou, c'est vine dénoncer, c'est ou bien ou vine dénoncer, ou bien ou commencer à sembler corbeau pour les prendre parole là, pour venir remettre tout, pour venir bycop kidnapping. Nan. Et plusieurs autres activités, des organisations syndicales et l'autre organisation dans la société civile là, tout qui même. Et qui lundi 9 tout apnan la rue pour une grande marche n'a gagné pour nous parler de ça tout. Et puis le mardi 10 ils ont annoncé déjà une grève générale sous PIA pour dénoncer justement et problème si là. Et puis toujours dans question et n'a pas dit insécurité gagné la relève fac dans Carrefour Vincent qui a organisé trois journées et pour justice pour les prisonniers politiques. Oui, parce que moi société a gen tendance blier que gagne cap coupi dans prison Arnel Belizer cap coupi dans prison et gagne Kilik qui écrit qui dit c'est année universitaire li que l'a perdu. Et ben il y a gen trois journée qui a organisé dans Carrefour Vincent en pleine la rue de Fact, c'est mardi 9, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 à 9h du matin pour demander justice pour les prisonniers politiques et aussi pour dénoncer assassinat qui fait, demander justice à société A pour Evelyne Saint-Serre, Montferrier d'Orval, à tout Grégory Saint-Hilaire. Donc c'est en pile mouvement qui est annoncé pour demain, lundi, mardi et même mercredi dans le pays pour dénoncer climat de terreur et qui instauré dans le pays. Voilà, et puis dans l'autre chapitre, on nous dit que l'opposition qui t'est fait face en pile critique suite à tentative de division que président Jovenel Moïse fait au sein du secteur démocratique et populaire. Et bon, en fait, même s'il n'a pas nommé, le cité le nommément, mais en plein monde, t'es longé doit être sous secteur qui t'a traversé des mouvements de dissidence interne. Eh bien, j'en ai annoncé le mi-temps semaine, non, gagnons qu'aucune chaîne réunion. Avec tous les protagonistes qui étaient faits, Kay, magistrat, Ronnie Collin en pleine, vraiment, eh ben, en pile parole te dit, mais acteurs, vraiment, rivé en temps, yo. Et pour, yo, continuer lutte là, yo, reprend même engagement qui était déjà pris en faveur du départ plus vite que possible, s'il le faut, avant 7 février 2021, qui est considéré comme la date butoir pour Jovenel aller, et puis il a réaffirmé engagement en faveur d'une transition de rupture. C'est pas une transition, j'en le compte fait, son transition qui peut organiser pays, mettez organiser les grands procès, Petro-Caribé, massacre La Saline, massacre Bel Air, massacre Cité Soleil, tout partout, c'est ça. Yo réaffirmé engagement yo et yo mette un comité provisoire sous pied pour travailler sous bon problème qui était à la base de ti discussion qui était gain entre nous et puis pour yo avancer dans une stratégie commune. Comité provisoire secteur démocratique et populaire là d'ailleurs sorti une note pour ça pour le dire dans jour qui sont passé yo
En pile inquiétude et envahi militant dans tout pays. Citoyens dans société civile là, à compatriotes dans opposition en général, cap bataille sans prendre souffle pour chavirer régime criminel Jovenel Moïse PHTK. Yo tout tap mandé ça cap passer dans secteur démocratique et populaire. Dans moment ça pouvoir criminel là tap bat gros bravo la contentement passé, yo te kwè outil bataille peuple a écrasé. Jovenel Moïse profiter moment ça pour le voyer jeter constitution 1987 là n'ayant arrêté côté le mettre campé en commission des graines gauche pour écrire une constitution derrière le peuple souverain. Jovenel Moïse fait un coup d'état sous pays à comité ça limité campé. On a dit Jovenel à tout acolyte lio secteur démocratique là pas craser coup d'état passé. Dimanche dernier, 1er novembre, nan, intelligence politique militaire, avec l'esprit sacrifice dirigeant secteur, permettent de mettre campé un comité provisoire pour aider secteur à traverser mauvais passé là. Nous-mêmes, dans le comité provisoire, nous acceptons prendre responsabilité travail ça parce que nous connaissons, nous qu'à compter sous. Chaque militant dans le pays qui est engagé dans le gouvernement, chaque dirigeant secteur démocratique et populaire, tout citoyen dans la société civile, tout parti politique dans l'opposition qui décide accompagner le peuple haïtien en bataille pour changer le pays. Comité provisoire travaille sans prendre souffle pour arriver. 1. Aider résoudre tout problème qui a dérangé fonctionnement secteur. Mettez ensemble toutes les ressources monde qui disponibles dans le secteur pour renforcer la bataille, pour forcer Jovenel Moïse quitter le palais national là, 7 février 2021, pour Pita, Jean Constitution 87 là prévoit ça. Respecter et puis faire respecter engagement secteur démocratique là pour pas dans aucune négociation ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Poté collé avec tout l'autre monde, toute l'autre organisation dans le pays, cap bataille pour Jovenel Moïse qui était palais national là, sans condition 7 février. Pour Pita, 7 février 2021. Organiser une transition qui coupait fâché à toute vieille pratique qui qu'on fait dans tête l'État. Réaliser procès tout crime financier, tant qu'au 4,2 milliards de dollars, l'agent Petro-Caribe, dilapidé. Réaliser procès massacre Belle, La Saline, Cité Soleil, Carrefour-Feuille, Saint-Marc et Latrier. Organiser une conférence nationale grand monde qui doit accoucher un autre l'État qui au service tout le monde dans le pays. Comité provisoire attend solidarité nous chaque pour aider accomplir mission ligue pendant 30 à 60 jours qu'a venir. Ensemble, n'a privé retirer Jovenel Moïse dans palais, craser pas qu'en pack régime PHTK et puis déraciner système ça cap caler injustice à la misère dans pays depuis 1806 après assassinat qui t'a retiré la vie Jean-Jacques Dessalines papa nation pendant n'a dit Jean-Jacques Dessalines à nous dénoncer ça vandalisme que vous faites sous statut Jean-Jacques Dessalines dans le Nord, son bagage qui sans nom, et moi souhaité qu'on enquête tabaye, monde qui a l'origine des actes ça, et que pour punir selon ça la loi mandé. Alors pour nous tourner dans notre là, régime PHTK, avec système ça, la cause trop sang coulé dans le pays, trop moun a souffri dans la prison, trop moun obligé prendre un chimel exil, l'île li temps pour nous camper machine infernale là. Il est le temps pour effacer bêtises ça en figure nous comme peuple. Réveillez-nous, en continuer lever camper pour une bataille sans Evelyne Sincère, Bâtonnier d'Orval, Ganard Joseph, Grégory Saint-Hilaire, Tibadjo, Percy Moli, Osmith Pétion, Vladimir Léganière, Vnémi Joseph, Michel Saillé, Badou et Latrier. Pas supposé couler pour grand messie. Avant de finir, dans le non-secteur démocratique, la nouvelle est féliciter particulièrement. 1. Tout militant, toute organisation dans le ghetto, dans la ville, à tout reste pays qui a poté collé dans la bataille. 2.
tout avocat yo qui toujours est des secteurs dans défense militaire contre toute attaque régime PHTK pour empêcher de défendre le royaume. 3. Tout chauffeur moto qui toujours prend la rue avec nous. 4. Tout l'hôpital avec docteur infirmière qui toujours aide secteur à prendre soin militant qui victime en babal Jovenel Moïse avec régime PHTK. 5. Étudiants et élèves l'école yo, malgré pouvoir continuer à assassiner yo qui toujours levé campé pour défendre droit yo. 6. Tout compatriote, toute organisation dans diaspora qui toujours poté collé dans bataille peuple. 7. La presse en général qui toujours couvrit toute activité secteur et puis accompagner militants yon dans la rue. 8 pour finir, tout l'autre monde à pas organisation qui engagé dans la bataille pour changement, c'est là. Moun qui signe, c'est Ricard Pierre. Ricard Pierre, sénateur. Antonio Cherami, sénateur. Ou Nicolas, magistrat, qui signe notre ça pour montrer que secteur a pas crasé malgré en pile. Mauvais anguille, t'as vle ça, c'est ça, en clair, que yo vle dit. Parlant justement de l'insécurité, il y a un binu dans ce moment qui dit préoccupé par l'aggravation de la situation sécuritaire en Haïti suite à l'assassinat crapuleux de la jeune bachelière Evelyne Sincère et en suscité l'émoi de toute la population. Le bureau intégré des Nations Unies en Haïti a dans un tweet mercredi dernier exprimé sa grande préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire du pays. Dans cette publication, le BINU, dont la chef Hélène Lalime avait fait savoir que l'association criminelle constituée de plusieurs gangs armés opérant dans la capitale haïtienne nommée G9 en famille a contribué à une diminution des violences armées dans le pays. Nous ne pouvons pas oublier ça. Il fait part de sa vive préoccupation face aux violences commises par des bandes armées contre la population. Le BINU a indiqué que les Nations Unies restent disponibles pour appuyer les autorités nationales qui doivent protéger la population et arrêter les instigateurs, auteurs et complices des crimes, signalant que le pays fait face depuis plusieurs mois à une recrudescence de l'insécurité caractérisée par une augmentation des cas de kidnapping et d'assassinat. De janvier à date, plus de 900 personnes ont été tuées dans le pays, selon des chiffres communiqués par des organisations de droits humains, rapportés ici par Gazette Haïti. Et puis, dans le domaine politique, gagnant Evans Paul, l'ancien PM, ancien maire de Port-au-Prince, qui fait en sortie et remarqué, côté le palais de Jovenel Moïse, et c'est pratiquement du passé, parce que Jovenel besoin organiser l'élection que le pape a faite, il a besoin changer constitution pour contrôler que le pape a faite. Donc c'est le CEP institué par Jovenel Moïse ne pourra pas organiser les élections selon Evans Paul. C'est Evans Paul, ex-premier ministre de Michel Martelly et allié du pouvoir qui l'affirme. Le CEP, tel que formé par le président Jovenel Moïse, ne pourra pas organiser les élections. Trois lettres, c'est N-O-N, non. Répondant aux questions des journalistes de Télévin, le chef du gouvernement estime qu'un conseil électoral constitué en dehors d'un accord ne peut pas garantir l'organisation des élections dans le contexte actuel. Le CEP n'a donc aucune chance d'accomplir sa mission. Le leader du mouvement social Vivre Ensemble informe avoir abordé la question avec le président et ce dernier ne se montrerait pas intransigeant car une possibilité de revoir sa copie, mais dans le cadre d'une négociation politique avec l'opposition qu'il semblait que le pape joigne, Evans Paul. Par ailleurs,
Analysant la conjoncture politique, Evans Paul croit qu'en face, l'opposition devrait revoir sa stratégie, insistant sur le fait que celle-ci s'est nettement affaiblie. Ah bon? Pour lui, les opposants au pouvoir n'avaient pas su mesurer leur victoire. En 2019, explique-t-il, Jovenel Moïse était prêt à écouter son mandat, mais l'opposition n'avait pas saisi l'occasion, s'enfermant dans le jusqu'au boutisme. C'était à l'ordre du jour et le président était sensible à cela. Donc, l'ex-premier ministre a d'un autre côté abordé l'épineuse question du changement de la Constitution. Evans Paul ne pense pas que le chef de l'État puisse à lui seul régler cette affaire. Toutefois, il croit que Jovenel Moïse, en donnant des garanties qu'il ne va pas servir de la nouvelle Constitution pour se porter candidat à sa propre succession, envoie de bons signaux, mes amis. C'est pas ça seulement, c'est que Jovenel pas qu'à faire du tout. Et d'ailleurs, c'est même Jovenel ça, noté dit le samedi dernier, et Fondation J'éclairé rapporté pour montrer au côté Jovenel Moïse, prend un criminel qui condamné par contumace par le tribunal de Saint-Marc, Netzer Prévillon, pour le nommer agent exécutif intérimaire à Dijun. C'est ça, et gouvernement et administration Jovenel Moïse l'ont fait, et Fondation J'éclairé crié au scandale tant qu'on nous a fait depuis samedi dernier. FJKL rappelle que le nommé Edzer Prévillon, accusé d'incendie au préjudice de la dame Janine Valsin à Dijun, de port et de détention d'armes illégales, de pillage, de meurtre sur les nommés Doyen Sillion et Belloni à Gusmé, à Mapou, Lagon, Lester et d'association de malfaiteurs n'avait pas pu être saisi au moment de son procès à Saint-Marc en 2012 et qu'il fait partie des accusés non comparants contre lesquels la procédure du jugement par contumace a été appliquée. Le tribunal criminel, jugeant sans assistant de jury, présidé par le juge Wilkam Cajuste, avait reconnu coupable de ces faits l'un de ses co-accusés, Alexandre Pierre-Paul, dit Canal du Vent, mais les accusés Netzer Prévillon, Rivaldo Kenol, Woman Show Clénor, Alton Clénor et consorts n'ayant pas comparu, ont été jugés par contumace. Le mercredi 10 octobre 2012. C'est donc ce tribunal qui ne s'est pas constitué prisonnier. C'est donc ce criminel qui ne s'est pas constitué comme prisonnier, comme le veut la loi, qui est aujourd'hui nommé à la tête de la municipalité de Dijun. La FJKL se demande si la nomination de Netzer Prévillon, qui a dirigé l'une des plus redoutables associations de malfaiteurs dans l'Artibonite, ne participe pas d'un plan du gouvernement de Jovenel Moïse d'étendre le G9 en famille et alliés en province dans la perspective des prochaines élections. La FJKL demande aux autorités policières et judiciaires de Saint-Marc de procéder sans délai à l'arrestation de Netzer Prévillon avant, pendant ou après sa prestation de serment pour qu'il comparaisse enfin par devant le tribunal criminel de Saint-Marc pour répondre des graves faits qui lui sont reprochés. La FJKL rappelle aux autorités judiciaires et policières de Saint-Marc que l'impunité engendre la récidive et que la seule façon de mettre un terme au climat de violence et d'insécurité généralisée qui frappe actuellement le pays, c'est de juger et punir les auteurs des infractions prévues et punies par la loi, quelle que soit leur appartenance politique, leur classe sociale ou économique, écrit FJKL sous dossier et silence. Alors, l'autre fait dans l'actualité a condensé, puisque le a commencé à avancer, Jean Danton Léger était ensemble avec Molly Reg, non, cérémonie spirituelle, et dans le cimetière Léogane, jeudi 5 novembre 2021, mouvement libération pour région Guavienne, qui réunit Léogane, Grécier, Grand Guave, Tigouave, Miragouane et Lagounave, était organisé. Jour quitté jeudi 5 novembre
yon gwo seremoni spirituel a midi sonan nan simitye Léogane nan pou yo te ka al renverse baron al le remercie, excusez nous remercie baron di fèt ke Trump perdi eleksyon an e rappele ke 21 jours avant Molirek te gen tan prodwi demand lan devan baron an pou moun fou sa ki yo rele Trump lan perdi eleksyon an paske se moun fou sa ki kenbe enragé pareil il y a qui rele ingénieur Jovenel Moïse au pouvoir pour fin bois tirer sans peuple là et Molirek de tout profiter mandé baron yon l'autre petit coup de main pour voyer ingénieur aller pressé soit avant 7 février 2021 merci Jean Danton Léger Molirek a sous béton dans différentes régions côté le tablier à partir du vendredi 14 novembre jusqu'à ce que Jovenel aller par contre n'attend résultat officiel qui confirme qui ont confirmé net alcoolé que Biden gagne pour nous prendre la rue dans cadre d'un petit mouvement chauffé j'arrête merci monsieur merci n'ayez pas organisé cérémonie non et non cimetière Léogane et pour yoter est capable de remercier et m'entendez baron le fait que les fait tout yo bay pour Donald Trump a perdu l'élection et puisque c'est lui-même qui soutient déclaré Jovenel Moïse. Et puis, Port-au-Prince, vendredi 6 novembre 2020, oui, nous c'est une nation, oui, nous c'est un peuple, oui, Papa Dessalines fait nèg moun, oui, Papa Dessalines c'est nous, oui, nous c'est Papa Dessalines, secteur démocratique et populaire, et scandalisé, choqué en pile devant Zach sans pareil, profanation et statue Papa Nation 1, Jean-Jacques Dessalines dans Ville au Cap, joue jeudi 5 novembre 2021, sous l'obédience pouvoir PHTK ak allié, en plus complice Lyon. Même Jean, les clés pour tout le monde, représentation l'État qui l'a jodia, descend nan pi bas niveau depuis toute l'histoire pays a, mais rivé jouk nan attaqué, rabaissé, symbole l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'est inacceptable. C'est une façon pour yo effacer toute trace l'empereur qui s'est fierté nous comme peuple souverain, qui écrit l'histoire de l'humanité, secteur démocratique et populaire, estomaqué et condamné à toute force li, action si là. Faut que bon gens lumière fait sous axa, dans un moment, côté régime PHTK Jovenel Moïse là, à Oussa et allié, presque fin passé, en papier, tout sa pays a gagné comme dignité et droit grandette majeur. Ça qui passe a fait nous l'aide en pile. PHTK a allié plus complice Léo trahi nation, yon l'autre fois encore. L'île a le temps pour nous arriver dans yon l'état et éthique côté mémoire, héros nous yon a traité dans toute dimension yon mérité. L'abvini en 20 ans. Yon l'État qui prend en charge sécurité et statut avec symbole combattant liberté nous yo. Heureusement, malgré travail détracté Papa Dessalines, 214 l'année après, projet bien-être lié a imposé tête li. Par une route pas bois, transition rupture a porté conférence nationale haïtienne grand monde qui doit accoucher nouveau projet société a cap reconstituer rêve des alignières respect honneur à cochant pour papa nation l'empereur Jean-Jacques Dessalines pour tout temps guetant merci papa Dessalines parce qu'on imposé liberté à égalité dans nous tout le monde sous la terre pour faire nous monde Madichon ak malédiction pour l'éternité pour Silayo qui était assassiné par Panachon
simplement pour satisfaire ambition personnelle yo ak sentiment collaborer nan objectif pour te touye projet bien-être papa Desalines te gagne. Nous fini par comprendre ces descendants assassin papa Desalines qui jodi a sous pouvoir et choisi touye une fois encore l'empereur et puis effacer tout rêve lio. Si rêve ça secteur a pas possible, c'est pour rêve ça yo tout massacre ça yo a fait même gens sans ancêtre yo pas de couler pour grand messie, c'est même gens tout sans militants yo ak pep vanyan pap koule pou grand messie. Secteur démocratique la a demandé à toute petite nation patriote yo nèg yo pour continuer pour nous continuer engager nan bataille pour nous venger papa Desalines et voyager sous toute statue héros nou yo. Desalines tombé rêve li yo rete campé doubout. PHTK allié ak complice li yo a tombé. André Michel, Marjorie Michel, Schiller Louis d'Or, qui voyait notre ça par rapport à Sandejo Talea, scandalisé, yo vandalisé statue l'empereur Jean-Jacques Desalines, nan ville au Cap et nan mi-temps semaine, nan yon bagay certainement inacceptable. Alors, nous songez gros projet ça que écrivain Lionel Trouillot avec un bon l'autre citoyen conséquent était présenté dans les jardins de Kiskeya, ça fait à peu près deux mois. Pas fin pour songer, eh ben, il y arrivait rassembler toutes signatures possibles et à bon cérémonie pour présenter document ça a coûté en pile presque 3-4 partis politiques de l'opposition, tout le monde là, petite Desalines, secteur démocratique, tout le monde là, et a présenté document ça a donc n'a gagné pour nous parler en long et en large de ça avec et avec principal instigateur projet Sila et je dis à tout et puis j'en t'ai fait la semaine là gagné et Saint-Hilaire et dans New York qui dit que était apprendre nous qu'il y a des monde qui trafiquer et compte Facebook li pour yoter pour yoter allemandé l'argent sous prétexte et c'est lui-même qui a bail visa bail bourse. Alors Guichard Saint-Hilaire qui estomaque les rabais ça le prier pour nous dire en grâce Guichard Saint-Hilaire pas gain qu'une opération comme ça que l'a mené et c'est pas lui-même du tout si on monte à recevoir et on demande d'aide et on demande l'argent ou en échange bouche d'études ou bien l'autre bagage pas et répondre à demande si là c'est pas de livre que le vini c'est tout simplement compte Facebook li que Nagio monsieur Damio trafiqué même gens et moi quoi yo fait pour petite régional Boulos son monde qui passait pour petite régional Boulos mais rien de tout cela c'est pas vrai et monde qui gagne et bagay que a pas organisé à Paris fait moun parti moun yo fort nan cause si là. Voilà, je crois que tout a été dit, l'essentiel et qui pral faire et compte qui pral faire m'dabdou et ramasser matin avec panel invité nou yo k'ap fè diligence mais ouais plusieurs écrim là pour dire yo tout près et m'pa konn si gen déjà dans les couloirs de la radio. Et merci avec Goda, Junino Goda, qui fait live la tournée, parce que pendant toute mise en contexte là, nous t'ai perdu live là. En tout cas, nous tournons, merci. Et merci, Vive Desalines, merci, David Leroy, à toute l'autre si là, que me connaît qui là, avec, qui pral passer journée, en tout cas, jusqu'à la mi-journée, puisque nous là, jusqu'à 1h, 13h, pour avec panel ramassé pour nous voir comment nous ca aider Haïti présenter une autre image by monde là. Merci Josué Jean, merci Jamson Destiné, merci à nous tout encore. Lovenski jeudi nous pral observer
pose là au retour ces panels ramassés pour ce samedi 7 novembre 2020.